Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, l'hôtel Cheyenne à Disneyland Paris. C'est parti, générique! Donc à la réception, vous avez le saloon qui est ouvert jusqu'à 1h du matin. Et juste là-haut, vous avez le Check Wagon, donc le restaurant de l'hôtel Cheyenne. Alors, on n'a pas encore mangé, nous, là-dedans. On espère un jour qu'on pourra y aller. Mais franchement, déjà, la réception, elle est vraiment incroyable. Il y a des thématisations partout, comme je vous ai dit, c'est vraiment l'esprit Toy Story. Et vous voyez, juste ici, vous avez même des décors, vous avez plein de choses. Franchement, c'est vraiment incroyable. J'adore, mon personnage. Est-ce que ça va les grandir ou pas? Je retourne en enfance. Donc dans la boutique de l'hôtel Cheyenne, vous avez vu, vous pouvez retrouver beaucoup d'objets que vous voyez dans les grands parcs Disney. Et regardez le petit fameux, le pousse-mousse, qui est juste ici, le pousse-mousse que tout le monde s'est arraché pendant un petit moment. Mais c'est très sympa et je vous emmène quelque part, suivez-moi. Vous avez la réception, quand vous êtes dans la boutique, vous arrivez directement, en fait, juste ici, dans la réception. Regardez, la réception est juste là, en fait. Vous ne pouvez pas la louper. Donc les amis, si vous venez le matin à l'hôtel Cheyenne à Disneyland Paris, vous allez avoir la possibilité de faire un petit tour de poney pour 9€ supplémentaires tous les matins. C'est très très gros. Et en fait, vous avez aussi un petit côté où il y a du potager et il y a même des aires de jeu pour enfants, si vous le souhaitez. Venez, venez, on suit le plein.
Alors, tu choisis. Et du thé ou pas? Du thé vert à la menthe. Donne-le. Sans sucre ou avec sucre? Avec sucre. Alors, tu mets ta petite écarte. Tu veux combien de sucre? Ouais, ça, c'est encore un, ça ira. Impeccable. Donc là, voilà. Et en fait, tu as donc 4 crédits. Ça fait 4 boissons par séjour, en fait. Par personne? Par personne, donc par carte. Donc forcément, par personne. Ça fait pas mal, hein? Ça fait pas mal. Et c'est gratuit. Et ça a toujours été gratuit, sauf que bah, il n'y en a pas beaucoup qui sont au courant. Mais ça, on avait la même chose quand on était avec Seb. Tous les hôtels. Donc, faut savoir que, excepté le Davy Crockett Ranch, qui ne fonctionne pas comme ça, sinon tous les autres hôtels, à partir du moment où tu as un Magic Pass, 4 boissons gratuites. Merci. Vous avez compris, les amis, Magic Pass, vous avez 4 boissons gratuites dans tous les hôtels Disney. Il suffit de trouver les machines. C'est ça. Et les machines, en général, si vous avez des hôtels à étage, comme le Newport Bay ou le Santa Fe, c'est en général à chaque étage ou, dans ce cas-là, totalement au rez-de-chaussée. Impeccable, les amis. Regardez la petite boisson. Excellent. Un petit thé vert. Pour finir la journée d'anniversaire, ça fait un plaisir. Un petit thé vert. On est au Cheyenne. On est au... Ça, c'était le Cheyenne ? L'hôtel Cheyenne. On est à l'hôtel Cheyenne. Franchement, ça fait plaisir. N'oubliez pas la petite touillette. Alors, des fois, il n'y en a pas. C'est un concept. Mais si vous mettez du sucre, vous avez juste à tirer cette petite touillette et la chevillette Chéra. Voilà. Chic. Et la touillette. Voilà. Ça donne un genre. Western, du coup, c'est où la champagne? C'est là-haut. Il faut qu'on monte. Oui, ça l'étage cette fois-ci. Par contre, c'est vachement bien, les étoiles de chérif. Oui, sur chaque chérif. C'est vraiment climatisé à fond, c'est pour ça que j'aime beaucoup. Ça va? Bah, pour 4, oui. On va voir la chambre, ce qu'elle vaut. Vas-y. Ouverture, toujours avec la carte. Multipass. Multipass, c'est moi qui prends le multipass, les amis. Lilou, multipass. La carte, papa, faut la mettre dans la petite encoche. Ah oui, c'est vrai, putain. Les amis, n'oubliez jamais, il faut mettre la petite carte juste ici, sinon vous n'aurez pas de lumière. Et bienvenue. Bienvenue dans ma nouvelle chambre, ma nouvelle demeure. Eh, hey, mais c'est ça le canapé que vous avez dormi dedans? Alors, non. On n'a pas dormi. Non, mais par contre, c'est un lit qui se... soit tu laisses comme ça, soit tu le déplies. Dans ce cas-là, deux autres personnes peuvent dormir. C'est pour ça que c'est des chambres de 3 à 4 personnes. Parce qu'il y a 2 personnes qui peuvent loger là et 2 ici. Par contre, j'adore la thématisation. Franchement, direct, on voit Toy Story. Donc regardez, vous avez vraiment beaucoup de choses Toy Story, c'est hyper thématisé, j'adore direct. Et regardez même la couette ici, c'est thématisé, regardez, on retrouve ça dans le film Toy Story, jusqu'au rideau, regardez, jusqu'au rideau. On retrouve aussi dans Toy Story toutes ces couleurs, c'est vraiment très 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 thématisé. Franchement, jusqu'à ici aussi, regardez, vous avez l'étoile de shérif de Woody qui est juste là. C'est vraiment hyper thématisé. Et là, vous avez possibilité, ici, d'allumer le rotor pour avoir un peu d'air l'été. Franchement, on l'apprécie s'il fait chaud ici. Il fait très chaud l'été. L'hiver, il fait bon aussi. Mais quand vous avez ça, oh, vous êtes heureux. Au moins pour l'été. Et c'est, vous pouvez le retirer comme vous pouvez le mettre. C'est vraiment un grand bonheur. Petite chose aussi que je viens de remarquer à l'instant, parce qu'on vient à peine d'arriver, regardez la lampe. Elle est thématisée aussi. Vous avez Woody juste ici avec la botte de cow-boy. Et je vois que sur les autres lampes, vous avez aussi Woody qui est juste ici. En fait, c'est hyper thématisé, Toy Story. C'est très thématisé. C'est hyper thématisé. Alors, il faut savoir qu'avant, ce n'était pas du parquet, c'était une sorte de moquette. Alors là, je vous assurais que le Cheyenne, vous le faisiez qu'une fois dans votre vie. Parce que l'odeur qui s'en dégageait était atroce. Et ils l'ont fait en réhabilité. Je ne sais plus l'année pour vous le dire comme ça de tête. Mais depuis, ils ont changé le sol. Et franchement, c'est un bénéfice pour cet hôtel. Y a-t-il un serpent dans ma botte? C'est ça, exactement. D'ailleurs, c'est ce que je mettrai en film là-dessus. Mais ah oui, juste une chose. Ici, c'est là que ça s'éteint. Voilà, en dessous. Parce que la première fois que j'ai dormi ici, je pense que j'ai dû chercher une bonne vingtaine de minutes l'interrupteur qui n'avait pas d'interrupteur, voyez-vous. Donc,
on n'oublie pas. Lumière. Jour. Nuit. Excuse. Jour. Nuit. Si vous faites l'erreur de vous tromper dans un interrupteur, si vous avez le malheur, quelqu'un qui est dans la salle de bain, vous avez le malheur d'appuyer sur cet interrupteur. Léo. Voilà ce qui arrive, il se retourne dans le noir. Donc ne vous trompez pas dans les interrupteurs. C'est pas moi, j'ai rien fait, c'était pas la vidéo, il fallait bien le montrer. Bon les amis, regardez dans la salle de bain, le petit savon, Toy Story, avec ici, bah, je pense que c'est des mouchoirs, Toy Story, encore une fois, très bien inventé, très bien thématisé. La salle de bain, bah, elle est un peu petite, j'ai envie de dire, parce que du coup, voilà, c'est bon. Après, ça reste une salle de bain, hein, je veux dire, on passe pas sa vie dedans, clairement, mais bon, c'est cool, quoi. Avis à tous les parents, alerte rouge. Ne mettez surtout pas cette chaîne, vous allez tomber chèvre au bout de 10 minutes. Timon, Pumba, les gestes sécurité, les gestes barrières, tout ce qui s'ensuit, vous allez dérailler. Donc ne mettez surtout pas la chaîne numéro... C'est la chaîne de Disney+, Disney TV. Voilà, c'est Disney TV, voilà. Ne mettez pas cette chaîne-là, vous allez tomber là. Je vous le dis tout de suite. Voilà, on a un décès. Nos fils. Heureusement qu'ils n'ont pas mis de corde pour thématiser, parce que ça, je pense que là... On finissait à se pendre, voilà. Donc évitez, arnaque. Il y a d'autres chaînes, il y a des comptes TV, là où, c'est, où, là où vous avez le compte, un compte qui explique la bête en audio. C'est beaucoup mieux quand même pour s'endormir que quatre ça. Comptes. Il y a quatre comptes, il y a Tarzan, Peter Pan, La Belle et la Bête et Le Royaume. Et franchement, une petite astuce pour vos petits bambins. Si vous voulez les faire dormir beaucoup plus rapidement le soir, mettez les comptes audio, vous allez adorer, même vous, vous allez vous endormir. Encore posté ici, mais toujours le 12 juin. Ah ouais, t'as resté keblo, hein. Tu sais que dans... Ça fait 3 ans... minutes, c'est fini. 3 ans que j'attends cet anniversaire. Il y a 2 ans, on était confinés. Il y a 1 an, on était confinés. Et là maintenant, on n'y est plus. C'est la fête. Mais... on prend un cheval. Non mais quand elle fait le bruit, tu... Ouais, on prend un cheval. Hein? Ça fait mieux depuis tout à l'heure, mais bon, c'est vrai. Donc, vous pouvez rencontrer Jessie et Woody à l'hôtel Cheyenne de 8h15 à 11h15. Vous pouvez aller prendre le petit déjeuner au Chuck Wagon de 7h à 11h. Donc, chut, sautez maintenant, tout en rêve, foche. C'est de 7h à 11h et je crois que c'est 100 euros le petit déjeuner. Non. Elle ne sait même pas elle-même. Je ne sais plus. Parce que je l'ai répété 40 fois en plus dans la vidéo, je sais plus. 22 ou... La réception est ouverte 24 heures sur 24 à l'hôtel Cheyenne. Vous avez un service de bagagerie de 7h30 à 23h. Vous pouvez faire un check-in d'entrée, ce qui vous permet de faire une empreinte par carte bancaire directement afin de pouvoir réserver directement, et vous aurez la possibilité de consulter directement sur la télévision quand vous rentrerez dans la chambre vos achats. Donc la boutique de l'hôtel Cheyenne est ouverte. Donc la boutique la boutique de l'hôtel Cheyenne est ouverte de 8h à 23h30. Vous pouvez retrouver énormément d'articles Disney dans cette boutique. Donc le saloon est ouvert de 16h à 1h du matin. Vous pourrez aller prendre un petit verre en compagnie éventuellement de Balou NC, mais moi je vous conseille pas parce que honnêtement.
Moi, je ne vous conseille pas de faire avec un verre de magie parce que sinon, il va vous siroter toute votre bière. Oui. Donc, je ne vous conseille pas. On en parle du thé qui a été offert, qu'elle a bu tout le thé. On en parle. Merci. Trouve-le. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Bonne nuit.